Qu'en pensez-vous? Qui a passé l'annonce dans le journal? Qui vous a donné mon numéro? Souvenez-vous, on vous avait donné le numéro d'une hotline d'informatique et vous avez fini par appeler le TARDIS. Qui vous a donné le numéro? La femme du magasin. Alors, c'est qu'il y a une femme là-dehors qui tient ce qu'on reste ensemble. Qu'en pensez-vous, Clara? Je suis chez moi. Si c'est ce que vous voulez. Je suis désolée. Je suis... sincèrement désolée, mais je vous reconnais plus. Répondez, c'est peut-être votre petite amie. La ferme. J'ai pas de petite amie. Allô? Allô? C'est moi. Oui, c'est vous, mais qui vous? C'est moi, Clara. Comment ça, le docteur? Je vous appelle depuis Trenzalore. Avant que je ne me régénère. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça se rapproche. Oh oui, à grands pas. Ça ne va pas tarder. Je peux le... sentir. Pourquoi vous faites ça? Parce que je pense que ça va être un truc énorme. Et je sais que vous devez être effrayés. Et quel que soit le degré de votre peur, Clara, l'homme qui est avec vous en ce moment... En tout cas, je l'espère. Croyez-moi, il a encore bien plus peur que vous. Bien plus peur que vous ne pouvez l'imaginer. Et... il a besoin de vous. Alors, qui est-ce? C'est le docteur. C'est le docteur? Oui. Il a une voix de vieux. Pitié, dites-moi que je suis pas devenu vieux, tout sous vieux. J'étais jeune. Oh. Il a des cheveux gris? Oui. Je vous en prie, Clara. Faites-le pour moi. Aidez-le, s'il vous plaît. Allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Au revoir, Clara. Alors? Alors quoi? Il vous a posé une question.